Agissons pour la justice climatique. En particulier dans les pays du Sud, la pandémie de la Covid-19 a par ailleurs mis en lumière les impacts irréversibles, y compris sur la santé, des attaques contre la biodiversité. Le dérèglement climatique, c'est notre présent à toutes et à tous, partout dans le monde. Phénomène global, il appelle des réponses mondiales. Baisse massive des émissions de gaz à effet de serre. Lutte contre les pollueurs et le système productiviste qu'ils nourrissent. Solidarité internationale entre les pays riches et le sud global. Justice sociale et protection des droits humains doivent être les principes directeurs de l'action pour la justice climatique. 6 ans après l'accord de Paris, c'est ce qui devrait guider les États à l'occasion de la COP26 qui se déroule à Glasgow du 31 au 12 novembre afin de maintenir la hausse des températures en dessous de la part des 2 degrés Celsius, voire des 1,5 degrés Celsius. Mais depuis 2016, nos dirigeants en sont encore à discuter des moyens à mettre en œuvre face au changement climatique ou à tenter de verdir leur image en même temps que celle de nombreuses entreprises internationales qu'ils soutiennent sans engagement à la hauteur. Ils soutiennent le développement de fausses solutions, le greenwashing et la fuite technologique qui, loin de résoudre la crise climatique, empêche toute transition réelle. Les gouvernements des pays les plus riches participent ainsi à une véritable crise climatique. Nos dirigeants restent sourds aux interpellations, aux pétitions ou aux marches massives à travers le monde. Ils s'assoient sur les rapports du GIEC et les alertes de scientifiques. Ils regardent ailleurs alors que les dérèglements climatiques sont toujours les plus nombreux, plus violents et plus meurtriers. Ils criminalisent et ne protègent pas les activistes environnementaux face à une répression qui va jusqu'à des assassinats, certains s'en rendant même complices. Changeons le système, pas le climat. Thank you.
Thank you.